moi je vais me présenter, donc je m'appelle Christophe Chailloux, je suis professeur d'informatique à l'université de Lille, enseignant à l'école Polytech et chercheur au laboratoire Kestal, mais je suis également mis à disposition à mi-temps de la commu, à la commu par l'université, j'ai pas ma mission s'appelle, je suis chargé de mission industrie créative et culturelle et entre autres je coordonne le service culture de la commu. Dans un premier temps, pour faire cette introduction, je voulais remercier tout le monde, bien sûr la région pour son soutien, le partenaire national PASTEC, la mission nationale pour le patrimoine scientifique et technique contemporain, l'Université de Lille, l'Université de Valenciennes et le laboratoire de Visu, qui parlera juste après moi, le Musée d'histoire naturelle de Lille, bien sûr le site ici, Catherine et tous les gens du site, et bien sûr l'ensemble du comité de programme qui a organisé les deux journées. Il y a eu une première journée qui a eu lieu à la fac de Lille 1, et c'est aujourd'hui la deuxième journée. Quelques mots sur la commu. Donc la commu, c'est un établissement public, c'est une structure plutôt récente qui a pour but de coordonner les actions de tous les centres de recherche et les universités pour la région. Alors on est encore sur un format de région Nord-Pas-de-Calais pour l'instant, donc dans notre région, l'état n'est pas stable parce qu'il y a eu une fusion des deux régions avec sous le nom de Hauts-de-France entre les Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, mais ce n'est pas encore fait au niveau des communes. Et autrement, il y a une. Voilà. Et donc, les missions, c'est qu'il y a des actions qui sont faites en commun entre les 11 membres. Enfin, il y a 16 membres aujourd'hui à la commune, 11 membres fondateurs et 5 membres associés. Donc, les fondateurs, c'est les 6 universités publiques. Le CNRS, l'INRIA, l'Institut Mines Télécom, c'est la fusion des écoles de Mines de Douai et de Télécom Lille, l'école centrale, l'ACATO, j'en oublie encore un ou deux, mais excusez, j'espère qu'il n'y a personne de ceux que j'oublie aujourd'hui, un grand structure, plus 5 membres associés comme l'ESA à Tourcoing, l'école d'architecture, et je ne sais plus, enfin les autres structures, bref. Pour focaliser, donc parmi les principales missions quand même qui sont collectives, il y a des missions autour de l'international, il y a des missions autour du collège doctoral, c'est-à-dire que tout le travail de formation des étudiants en thèse est géré par la commu. Il y a tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat avec les projets pépites et les statuts d'étudiants entrepreneurs. Tout ça, c'est géré par la commu pour l'ensemble de la région. Et il y a un service culture dont on va parler aujourd'hui. Donc ce service culture a 3 missions. On travaille à la fois sur le thème d'aujourd'hui, qu'a organisé Antoine, sur la relation entre patrimoine et médiation, à la fois patrimoine des universités, mais aussi l'ensemble des patrimoines des partenaires. Enfin, la journée d'aujourd'hui rentre exactement dans ce thème-là. Il y a une deuxième thématique autour de culture et création artistique. Là, le principe, c'est d'essayer de travailler à l'interface entre l'université et les artistes, en essayant d'attirer davantage d'artistes à l'université, aussi bien avec les étudiants que dans les laboratoires. Et donc, on a une personne qui fait ça, et on a 2 résidences, une résidence qui s'appelle Artu, où c'est un artiste qui vient faire des gestes artistiques avec les étudiants dans le cadre de leur formation. On a une résidence AirLab qu'on vient de mettre en place, et qui est l'idée... on est en train de le démarrer, ça, c'est un artiste qui sera en résidence pendant 3 mois dans un labo pour faire une œuvre et participer à la vie du labo. Et le troisième thème, c'est un thème, des fois on parle de vulgarisation ou science, enfin nous on utilise le terme science et société. Là, l'idée, c'est bien de... On s'inscrit dans la CSTI, l'idée, c'est d'expliquer la science, mais pas que la science dure, l'ensemble des sciences, vers le large public.
Hein, c'est dans la mission que l'université, à côté de ses deux grosses missions d'enseignement et donc la formation d'enseignement autour des étudiants et de recherche, doit aussi avoir sa place dans la société en expliquant la science à un large public, hein, souvent avec les écoles. Et donc on a une personne, Florence, qui travaille spécifiquement sur ce thème autour d'événements comme le Cabaret des sciences ou Pint of Science, sachant que le plus gros, c'est la fête de la science, hein, les villages des sciences, la plus grosse action. Voilà ce qu'on fait, nous, dans le service culture de la commu. Alors, pour préparer cette journée-là, ce qu'a fait Antoine, hein, donc l'idée, c'est bien les enjeux sociétaux, hein, de la valorisation du patrimoine scientifique et technique. Et donc, nous, il nous semble important, hein, ce que l'on défend, hein, de se dire que le patrimoine développé à l'université a de l'importance, c'est-à-dire que dans le cadre de ces actions, de leurs actions, les laboratoires utilisent du matériel, mettent en place de nouveaux, des fois de nouveaux objets, etc. Et donc il est important que globalement notre communauté capitalise ce qui est fait et qu'après elle utilise ces outils pour expliquer la science qui se fait aux gens. Depuis maintenant un an et demi, 2 ans que je suis très sensible et que je travaille autour de cette thématique-là, je me rends compte même à titre personnel que le labo dont je viens, Cristal, on n'est pas bien du tout de ce point de vue-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets qu'on a fabriqués, des prototypes, des choses comme ça, et on les a super mal capitalisés. Enfin, je veux dire, la science qui se fait ne passe pas beaucoup de temps à regarder pour la suite. Et souvent, ces objets sont de magnifiques objets pour expliquer. Parce qu'une fois que c'est rendu plus loin, le processus, des fois, c'est super dur de réexpliquer comment ça marchait, alors que le faire voir les différents prototypes et tout, souvent, ce sont des bons outils, même de pédagogie, pour expliquer le résultat. Et l'autre aspect important, je suis content de voir aujourd'hui qu'il y a des gens de différents mondes. Hein, ce qui est important, c'est aussi de nous, en tant que service culture de la commu, c'est de faire travailler ensemble les différents mondes. Hein, donc à la fois l'université en elle-même, ses chercheurs, mais aussi le FIC et puis les gens de la formation qui peuvent utiliser les outils du patrimoine dans le cadre des formations. Et donc aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des publics larges, et c'est ça aussi notre mission, d'attirer un large public. Voilà. Moi, dit de faire court. Voilà, donc je vais arrêter là. Il n'y a rien à conclure pour l'instant. Et je vais passer la parole à Catherine Prouver et Sylvie Merviel. Donc, les gens du site et du laboratoire de recherche qui sont sur le site, qui vont vous présenter où on est et ce qui se fait ici. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. En attendant que Sylvie me rejoigne, je vais me présenter. Donc, je suis Catherine Prouver, je suis directrice à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et j'ai en charge le suivi du projet de reconversion du site minier d'Arenberg Créative Mine et son développement. Voilà, donc on va faire une présentation. Je vais d'abord me focaliser sur la genèse de ce projet ambitieux. Sylvie aura tout loisir de rebondir au moment où elle le souhaitera. En tout cas, elle a prévu plus une présentation derrière moi sur la présentation de son laboratoire et de ses axes de développement. Voilà, donc vous voyez une photo du site dans les années 50, en période de grosse activité. Il y avait jusqu'à 2300 mineurs ici à Arenberg, dont 1800 travaillaient au fond, descendaient à quasiment 700 mètres au fond. Le site d'Arenberg est un des fleurons de la compagnie des mines d'Anzin. Et ce sont plus de 33 millions de tonnes qui ont été extraites des veines d'Arenberg. Alors vous voyez sur cette photo, un terri qui a été arasé dans les,
dans les années 70 et dont les résidus ont permis d'une part à reboucher les galeries, puisqu'aujourd'hui toutes les galeries de mines d'Arenberg ont été rebouchées. Mais ces résidus ont permis aussi la fabrication de l'enrobé pour la construction de l'autoroute A23 qui est toute proche. Et donc aujourd'hui, Arenberg Creative Mine, un site référent dans l'image et les médias numériques, projet phare de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut qui a décidé d'installer ici son siège social. Alors un site qui dispose de nombreux atouts. On est dans un écrin de verdure au cœur du parc naturel régional Scarpesco. Nous sommes sur 34 hectares. Avec une particularité, c'est de disposer sur le même site de trois chevalements qui témoignent de trois modes d'extraction charbonnière différents. C'est unique. On a un habitat minier en toute proximité du site qui est parfaitement réhabilité. Ça aussi, c'est assez original. Voilà, c'est un site majestueux, des bâtiments, des cathédrales industrielles assez impressionnantes. Un autre atout d'Arenberg, c'est qu'on a une grande histoire avec le cinéma, en partie liée au tournage de Germinal de Claude Berry qui s'est déroulé en 92, on en reparlera tout à l'heure. Mais depuis, c'est un site qui attire les sociétés de production et les professionnels de l'image. Alors on ne tourne pas que la mine à Arenberg, hein. On tourne des longs-métrages, des courts-métrages sur un tas de sujets, même des séries futuristes. On accueille également des productions pour des films publicitaires, des vidéoclips. Depuis le tournage de Germinal, ce sont plus de 50 tournages qui ont eu lieu sur le site. Alors même avant que le site ne dispose d'un potentiel d'équipement et de techniques innovantes. Hein. C'est un site qui a toujours attiré les professionnels de l'image. Donc un site référent pour les tournages, mais également pour l'organisation de temps forts, d'événementiels. On organise bien sûr des avant-premières ici, des projections, mais également des grands rendez-vous économiques. On a un salon à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, le salon Made in Hainaut, à une fréquence de tous les deux ans. On a accueilli cette année sur les deux jours de salon B2B 5000 visiteurs. On a aussi une grande aventure avec le cyclisme, forcément, puisque le Paris-Roubaix passe tous les ans en avril devant le site et emprunte la Touée d'Arenberg qui est juste au pied du site. Et on a eu la chance d'accueillir deux arrivées d'étape du Tour de France en 2010 et en 2014, peut-être en 2019. Les autres atouts d'Arenberg, c'est de faire à la fois partie de Pictanovo, le pôle d'excellence image en région Hauts-de-France, aux côtés de la serre numérique et de la pleine image. Hein, la volonté étant que ce pôle Pictanovo s'appuie sur ces trois sites et développe en toute complémentarité la filière image en région Hauts-de-France. Donc site d'excellence sur l'image et également site référent de la mémoire en région Hauts-de-France, parmi les cinq autres sites de la mémoire qui disposent chacun d'une thématique différente. Sur Los Angeles, on retrouvera les énergies renouvelables et le développement durable. Le 9-9 bis de Wani s'est focalisé sur le son et les musiques actuelles. Le centre historique minier de Leeward, un centre scientifique sur la mémoire minière. Et la cité des électriciens, c'est la, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la fameuse cité qui était dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, qui a été complètement réhabilitée et qui abrite aujourd'hui le centre d'interprétation de l'habitat minier, des résidences d'artistes et aussi des gîtes. Voilà, donc Arenberg, bien sûr, focalisé sur le développement de l'image et des médias numériques. Alors pour rebrosser un peu la jeunesse du projet, la mine ici a cessé son activité en mars 89. À partir de là, les mineurs et les élus locaux ont bataillé pour que ce site ne ferme pas. Il faut savoir qu'à l'époque, l'État avait une volonté de destruction des sites miniers. Il y avait les bulldozers ici sur le site. Donc grâce en partie aux mineurs et aux élus locaux, mais surtout
au tournage de Germinal de Claude Berry en 92, qui a permis une prise de conscience collective, de voir un site à l'abandon et qui renaît un peu grâce à une activité cinéma qui derrière génère toute une activité, puisque quand il y a un tournage, ben, il y a forcément de la restauration, de l'hôtellerie, de la construction de décors, tous les artisans aussi qui sont mis à pied d'œuvre. Voilà, donc grâce au combat des mineurs, des élus, grâce à Claude Berry, le site est sauvé. Il devient propriété de la ville de Wallers à l'époque et fait l'objet d'un premier arrêté de classement au monument historique en 1992. Et puis notre communauté d'agglomération La Porte du Hainaut est créée en janvier 2001 et les élus décident de, avec son président Alain Bocquet, maire de Saint-Amand-les-Eaux, d'installer ici le siège social de la communauté d'agglomération. Ça témoigne d'une volonté de tourner ce site vers l'avenir et d'en faire un projet structurant pour le territoire et au-delà. Donc il y a des études qui sont faites à partir de là, hein, et notamment un concours d'idées qui déjà à l'époque propose de valoriser les espaces du site, pour que les gens puissent se rencontrer, des salles dédiées à la restauration, au séminaire. Il y a également des idées de studio, forcément, avec l'histoire, avec le cinéma, c'était une évidence. Et on nous fait des propositions de studio dans les bâtiments. Alors à l'époque, beaucoup de propositions de parcs thématiques, en tout cas pas d'idées fortes qui a retenu l'attention de nos élus. Néanmoins, l'agglo continue à valoriser ce site et à lui rendre ses lettres de noblesse. Et on passe par une étape de requalification clos et couvert en trois phases entre 2005 et 2008. Une opération de plus de 7 millions d'euros hors taxes qui a été largement financée à l'époque, notamment par les fonds européens et les fonds de la région, donc qui ont permis de refaire toutes les toitures, de ravaler les façades, de changer les vitres. Ben voilà, on retrouve en 2008 des bâtiments en parfait état. Il ne restait plus qu'à trouver une activité pour habiter ces bâtiments. Et c'est vraiment en 2006 que les choses se décantent, puisque l'université fait le choix à l'époque d'installer ici son laboratoire de visu. Il y a une visite qui est organisée entre la présidence et Sylvie, directrice du laboratoire, lors d'un tournage d'une série franco-canadienne, La Compagnie des Glaces. Il faut savoir que quand il y a un tournage ici à Rambert, bien souvent les sociétés de production font appel aux étudiants de Dream pour les épauler dans la production. Et donc il y avait une visite auprès de ces étudiants, et il y a une rencontre qui s'est montée avec notre président Alain Bocquet, qui lui était toujours à l'affût d'une idée pour développer son site. Et voilà, la mayonnaise a pris à l'époque, la volonté de l'université d'offrir des conditions d'accueil, des conditions de travail adaptées pour ses chercheurs, pour se tourner vers l'international. Et puis la communauté d'agglomération, fort de l'aventure avec l'image, qui était toujours en fil conducteur, voilà, trouve la symbiose avec l'université pour développer à Rambert comme un lieu structurant dédié à l'image et aux médias numériques. Donc entre 2006 et 2011, ce sont bien sûr un tas d'études qui sont lancées, de programmation, de faisabilité. On passe par un marché de définition en 2010 pour définir tous les besoins et préciser les surfaces. Et il y a la signature d'un protocole d'accord entre le président de l'université à l'époque, M. Ourac, et notre président pour une mise à disposition des bâtiments et des équipements à l'université. Voilà un premier protocole d'accord qui entérine aussi le choix de la collectivité de réhabiliter ce site, de lancer de manière opérationnelle les travaux via un contrat de partenariat. On travaille alors dans le cadre d'un dialogue compétitif avec les équipes de Bouygues,
Donc un opérateur qui vient avec des architectes habilités monuments historiques, hein, c'est une obligation par rapport, par rapport au site. Donc un groupement économique avec des architectes, des financiers, des programmistes, voilà, et on travaille pendant quasiment 2 ans dans le cadre d'un dialogue compétitif, un échange fructueux qui aboutit donc à un projet global pour la reconversion du site. Entre deux, nous passons par une étape importante puisque en 2012, le bassin minier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages culturels évolutifs. Donc un autre atout qui s'ajoute à tous ceux déjà énumérés pour Arambert. Et donc à l'issue du dialogue compétitif mené avec l'opérateur économique, on aboutit en 2013 à la signature du contrat de partenariat pour un projet global de requalification avec une première tranche de travaux qui voit la requalification de toute la partie 19e du site, toute l'enfilade, qui permet donc d'installer les chercheurs avec des plateformes technologiques adossées et de faire cette construction neuve, le Léo, dans lequel vous êtes aujourd'hui, une salle de projection dotée d'équipements innovants, une salle 4K équipée en son Dolby 7.1 avec une capacité d'accueil de 300 places, des gradins rétractables qui permettent à la collectivité de développer tout ce qui est événementiel et séminaire. Donc la première pierre de cette première phase est lancée en 2014 et c'est 17 mois de chantier. Cette première phase nous est livrée en septembre 2015 et on a la chance d'avoir comme parrain pour l'inauguration Costa Gavras avec un passage de relais symbolique entre René Lukasiewicz, le président des anciens mineurs, et donc le réalisateur. Alors depuis 2006, depuis le décollage du projet, on s'est toujours Arambert Creative Vignes. Alors quand je dis Arambert Creative Vignes, c'est à la fois la communauté d'agglomération et bien sûr l'université avec le labo de Visu. On forme vraiment une équipe et on respecte les trois socles qui sont déterminés en 2006, à savoir développer la recherche, opérer le transfert dans l'économie, c'est-à-dire pouvoir accueillir ici des start-up, des porteurs de projets, et bien sûr développer tout le volet culturel et patrimonial. Alors sur ce point, on a à la fois la volonté de développer la recherche et de développer tout l'écosystème autour de ces technologies innovantes, mais on a aussi surtout la volonté de vulgariser tout ça auprès des publics, et notamment en direction des jeunes publics. C'est pour ça que dans le parcours patrimonial que l'on veut évolutif et qui est constamment en cours d'évolution, on fait en sorte de valoriser par nos visites, de faire découvrir ces nouveaux espaces et de sensibiliser les publics à ces nouvelles techniques. Et puis on vient se greffer autour d'un tas d'événements, notamment nationaux. Christophe parlait de la fête de la science. On a fait la 2e édition cette année sur Arambert, couplée cette année à l'option start-up, c'est-à-dire la volonté aussi de susciter des vocations auprès des jeunes, hein, de voir les métiers qui se développent et qui seront les métiers de demain. Voilà, on a vraiment ça à cœur, de toujours vulgariser et d'apporter dans nos animations la vulgarisation de tout ce qui se fait ici à Arambert, mais je pense que Sylvie aura l'occasion aussi d'en reparler. Voilà, donc cette première phase de travaux a permis à Arambert de se doter d'équipement assez exceptionnel dans cette première tranche. Il y a des tranches conditionnelles qui sont prévues dans ce projet d'ensemble. Notre conseil communautaire vient de délibérer le 11 décembre dernier pour lancer une seconde phase de travaux qui concerne la priorité du développement économique. Donc on va réhabiliter le bâtiment transformateur. C'est le bâtiment qui se trouve juste à côté du laboratoire de Visu, le bâtiment avec la toiture arrondie.
Donc une réhabilitation pour permettre d'offrir des espaces de travail, des salles de réunion aux porteurs de projets et aux start-up qui pourront trouver des bureaux, qui pourront disposer de bureaux dans un bâtiment neuf qu'on va construire aussi à Ambert. Le dépôt du permis de construire est prévu ce vendredi. Les travaux devraient démarrer avant septembre de l'année prochaine pour un an. Donc voilà, à partir de septembre 2019, nous pourrons accueillir des entreprises et des porteurs de projets sur Arambert. On aura 2100 m² pour l'instant dédiés au développement économique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Sylvie. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc je suis Sylvie Merviel, je dirige le laboratoire des Visu. Comme Catherine vient de l'indiquer, je suis dans l'aventure partenaire avec la communauté d'Aglo depuis 2006. Et je voulais vous faire un petit bilan aujourd'hui sur ces 2 ans qui se sont écoulés depuis l'ouverture. Donc, en quelques mots très très rapides, hein, et forcément synthétiques et simplificateurs, des Visu, donc sa priorité, c'est l'industrie de programmes et de services. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de laboratoires français sur le cinéma, qui sont très orientés esthétiques, nous avons un regard qui est prioritairement technique, économique et industriel, d'où cet intitulé d'industrie de programme. Donc, dans cette transition que Catherine vous a expliquée, nous partons en fait d'un site très industriel pour aller vers une autre industrie. Donc on n'est pas sur un changement complet de paradigme, même si, vous allez le voir, quand même, ça a été beaucoup élargi au passage. Donc l'idée forte qui a été donnée par ce tripode, c'est de fertiliser l'économique avec la présence du scientifique sur place, et j'ajouterais que la dimension culture est un plus, puisque pour nous, les chercheurs, nous avons un terrain de jeu extraordinaire, puisque nous pouvons tester sur place. Lorsqu'on développe un nouveau dispositif, lorsqu'on veut tester une visite patrimoniale, ben c'est pas compliqué pour nous, c'est juste à côté, et c'est vraiment un confort et une force aussi de pouvoir mobiliser des publics, comme on va le voir. Concrètement, l'innovation ici, elle se conçoit, elle s'expérimente et elle se fabrique dans un espace qu'on a voulu libre d'échange et de collaboration. Ça veut dire concrètement que quand la CAPH nous mobilise en disant « manifestation publique, il faut que vous soyez là », on est là. Inversement, lorsqu'on demande à notre partenaire qu'il soit là pour nous accompagner, ils sont là. Et quand nous avons des partenaires économiques qui nous sollicitent, ben on est là ensemble pour leur répondre. Et c'est un peu ça, cet environnement qu'on a essayé de fabriquer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une implantation hors sol d'un laboratoire qui n'aurait pas grand-chose à faire ici, c'est vraiment un projet complet et totalement mixé. Alors nous avons quatre axes thématiques, je vais vous les dérouler très très rapidement, après je pourrai répondre à toutes les questions si vous le souhaitez. Donc la première d'entre elles, c'est les audiences et usages de demain, le design de services innovants, c'est-à-dire que nous sommes partis de la télévision, et vous le savez comme moi, aujourd'hui tout change, il y a les tablettes, il y a le smartphone, on peut regarder son programme à l'heure qu'on veut en catch-up TV, ou en programmation, en télévision de rattrapage, comme on dit en français. Donc aujourd'hui, le monde des médias est en pleine reconversion, il ne comprend rien à ce qui se passe, et on est là pour essayer de tracer des lignes. Donc en termes de mesures de performance, eh ben, ce n'est pas seulement médiamétrie, c'est-à-dire le décompte de gens exposés à un programme devant un téléviseur, mais c'est une approche centrée médias, qui répond
à ces questions plus profondes, comment le spectateur construit du sens à partir d'un programme, c'est-à-dire les images et les sons auxquels on le confronte, qu'est-ce que ça va produire pour lui, ce qui est évidemment très relatif à sa propre culture, à sa propre histoire, à son vécu. C'est finalement très individuel et c'est pas du tout statistique en tout cas. Donc quand on vient appliquer des outils statistiques sur cette chose complexe qui est la façon dont on s'approprie un contenu, on lisse en fait toutes les différences et en réalité l'essentiel du phénomène. Donc comment un message est compris, accepté, approprié ou au contraire détourné est une chose tout à fait déterminante dans une démarche pédagogique par exemple, mais aussi pour les publicitaires qui veulent savoir comment est perçu leur produit. Comment on répond aux attentes, aux besoins est aussi tout à fait déterminant, ou pas, comment on n'y répond pas. Donc la priorité, c'est d'essayer d'étudier quel contenu, sur quel support, à quel moment, pour quel usage. Et là, vous voyez tout de suite la complexité par rapport notamment aux nouveaux terminaux que nous avons tous dans notre poche. Le deuxième axe, c'est de raisonner sur la façon de fabriquer des programmes, ce que nous appelons le workflow, c'est-à-dire depuis l'idée qui naît dans un cerveau, jusqu'à la diffusion à ses publics, quelles sont les différentes étapes et comment peut-on les rationaliser, voire les automatiser pour une économie d'échelle de production. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, avec la multiplication des terminaux, il y a aussi une multiplication de fabrication de programmes et de services. Donc, ça veut dire produire mieux, plus vite et moins cher, mais non pas avec des programmes dégradés, mais si possible avec un gain de qualité, en exploitant notamment tout le potentiel du numérique et aussi en essayant de préserver la culture, la mémoire et les traces de nos sociétés en rendant les données accessibles. On verra ça tout de suite après sur un exemple. Donc, ça implique évidemment l'informatisation de l'ensemble du cycle de vie, l'automatisation lorsqu'elle est possible, et puis le fait de mettre des indicateurs de contenu, ce qu'on appelle le tagage sémantique, sur l'ensemble des contenus depuis le tout début jusqu'à l'exploitation, ce qui implique un accès efficace à ce qu'on appelle le big data, le monde des données. Dans ce cadre-là, nous travaillons beaucoup aussi sur les nouvelles écritures et les formes innovantes. Donc c'est le web documentaire, c'est les programmes collaboratifs ou interactifs, c'est le web social, les échanges entre les individus, c'est la diffusion immersive, le 3D, avec casque ou sans casque, c'est la géolocalisation, et le fait de personnaliser l'offre en fonction de l'endroit où on se trouve. Et puis, c'est une approche inversée. Depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans, nous regardons des écrans, et aujourd'hui, les écrans nous regardent. Ils captent des données sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur nos activités, nos actions, et ça génère tout un nouveau monde économique et organisationnel également. Et puis, des visus, ça veut dire design visuel et urbain. Le dernier axe, c'est celui de l'habitat et de l'urbain, dans une approche qui est aussi très liée à l'image et au son, c'est-à-dire que ce sont des applications de murs interactifs et dynamiques, des murs qui, par exemple, dans un environnement médicalisé, affichent dès le matin la température de votre corps, parce que le lit l'aura capté, et que ça s'affichera partout. Donc c'est le multi-affichage dans un environnement qui est à la fois d'habitat et urbain. C'est l'immersion dans de nouveaux espaces à expérimenter, toujours avec la géolocalisation et toujours avec l'approche capture. Le bâtiment sait que vous êtes là, et il enregistre des données vous concernant. Donc quelques exemples pour conclure, et encore une fois,
Je serai prête à répondre aux questions. Nous avons obtenu un projet qui est un projet de Video Mapping Urban Center dont Arambert est le pilote. Donc là, il s'agit de projeter des images. Vous connaissez la version qui est sur façade, sur la cathédrale d'Amiens, à Lille aussi. On projette des images de grande dimension sur bâtiments. Aujourd'hui, le vidéo mapping se généralise à la projection sur objets, sur petits objets, sur vêtements, sur chaussures. Donc nous allons probablement bientôt porter nous-mêmes des images. Et la question qui se pose, c'est celle de la signification et des modes narratifs. Quand on vous projette 2 minutes sur un bâtiment, qu'est-ce que ça raconte ? Autant on connaît très bien la narration au cinéma, autant la narration du vidéomapping est un domaine totalement inconnu. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet qui va durer 3 ans, nous avons des résidences d'artistes, de vidéomappeurs. Donc on a reçu déjà au mois d'août des Allemands. On a une deuxième résidence au mois de mars. Nous avons eu 140 candidatures de 60 pays. 12 ont été retenus. Donc on va avoir encore un accueil international dans ce cadre. Donc voilà ce dont il s'agit. Ça, c'est avant les travaux, le compresseur, qui est un objet industriel fondamental dans le monde des mines. Ça, c'est après les travaux, le même compresseur qui est à l'entrée de notre laboratoire. Et puis, nous avons fait en fin d'année, et j'ai d'ailleurs pas l'image, une vidéoprojection sur ce compresseur. Et on a un projet qui est de montrer en vidéoprojection sur l'extérieur de la machine comment elle fonctionne à l'intérieur. Donc de la médiation technique par vidéoprojection sur la coque de la machine à l'intérieur de laquelle on ne peut pas rentrer. Ça vous donne un exemple de ce que l'on fait. Je reviens à ma liste. Nous avons en ce moment un projet, d'ailleurs les étudiants étaient en expérimentation hier, qui est J360, donc ça veut dire journalisme 360. Nous avons rencontré en fait la rédaction de France Télévisions qui commence à faire des actus, des brefs de 1 minute 30 en immersif. Donc vous êtes dans un environnement 360, mais c'est néanmoins du reportage d'actualité. Et la rédactrice en chef commence son intervention en disant « De toute manière, c'est évident, dans du 360, il y a plus d'impact, on a plus d'émotion. Ben, » nous, en tant que scientifiques, on dit « Est-ce bien vrai ?» Donc, on va le mesurer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on compare. On a sélectionné, France Télé nous a envoyé 7 sujets. Sur les 7, on a sélectionné un sujet Macron-Le Pen, où en fait, on les voit tous les deux rentrer dans France Télévisions juste avant le débat, le fameux débat catastrophique. Et donc, on est avec les gens qui les suivent, c'est-à-dire on a la capacité de se retourner, de voir les deux candidats, mais aussi toute leur suite. Donc, on compare une actu traditionnelle, 2D, comme vous avez pu la voir en journal télévisé, le 360 sur tablette, donc où on passe au doigt, et le 360 avec casque, où on est au milieu de l'action. Et puis, on a connecté ça avec un partenaire économique qui a développé un nouveau système de mesure de l'émotion, qui est très protégé, ce système, mais qu'il nous a confié. Et donc, voyez comment on connecte l'innovation technique des deux côtés, du côté de la production et du côté de la mesure, pour produire de la connaissance, ce qui est notre métier. Est-ce bien vrai que l'immersif, ça génère plus d'émotions? La réponse, au mois de février. Pour l'instant, je ne sais pas. Et puis, je vais vous parler du projet Mémomine, qui sera le dernier, on en a plein d'autres, hein, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Nous sommes évidemment dans un haut lieu de la mémoire minière, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les visites, c'était l'association des mineurs qui l'effectuait. Et nous avons décroché un projet ANR,
que nous menons avec deux partenaires, le laboratoire Jéricho de Littrois, dont certains membres sont là, et puis le laboratoire Plidam de Paris, pour enregistrer cette mémoire incarnée des mineurs dans la perspective malheureuse, mais néanmoins bien réelle, de leur disparition. Comment fera-t-on les visites lorsque les vrais mineurs qui ont la connaissance dans le corps ne seront plus là? Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai ouvert quelques portes, je suis prête à échanger avec vous. Merci.